Et voilà, papa. Le rêve de rapture est fini. Tu m'as appris que le mal n'était qu'un mot, une douleur qui nous modèle à sa guise. Pour toi, le pardon est une victoire. Tu as fait des sacrifices. Tu as souffert. Et lorsque tu en as eu l'occasion, tu as pardonné, chaque fois. Maman pensait que ce monde était perdu. Elle avait tort, papa. C'est nous qui sommes l'utopie. Toi et moi. Et en pardonnant, nous lui avons ouvert la porte à elle aussi. Le rêve de rapture est terminé. Mais en m'éveillant, je revis. Ce monde n'est pas prêt à m'accueillir. Et pourtant, je suis là. Comme il serait facile de me méprendre à leur sujet. Tu es ma conscience, papa. J'ai besoin que tu me guides. Tu seras toujours à mes côtés, papa. Tes souvenirs, tes désirs. Quand j'aurai besoin de toi, tu seras à mes côtés. Une toute petite voix, à peine perceptible. Si l'utopie n'est pas un lieu, mais un peuple, alors notre choix doit être consciencieux. Car le monde va changer. Et dans notre histoire, Rapture n'était pas la fin, mais le début.